Aleluia. Mama Maria Gumba Meliye. Ezala Sidae Gumba Meliye. Ezala Kimbango Gumba Meliye. Banga Benyo Soba Gumba Meliye. Oh Yesu Zambe Nanguya. Oh Yesu Zambe Nanguya. Apa Sinyasa Gumba Meliye. Banza Benyo Soba Gumba Meliye. Mama Maria Gumba Meliye. Kadima Yesu Gumba Meliye. Kimbango Gumba Meliye. Braname Gumba Meliye. Lingo Bana Gumba Meliye. Oh Yesu Zambe Nanguya. Oh Yesu Zambe Nanguya. Oh Yesu Zambe Nanguya. Oh Yesu Zambe Nanguya. Ezala Sida Gumba Meliye. E Gumba Meliye. Oh Malali Yose Gumba Meliye. Oh Yesu Zambe Nanguya. Yesu Zambe Nanguya. Oh Yesu Zambe Nanguya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu Nzambe na nguya. Yesu Mungu wa uwezo. Be mabolongo nyonso ekumba mela ye. Magoti yote apigwe mbele yake. Frères et sœurs de Bunia, wandugu na wadada wa Bunia, celui que vous avez devant vous, c'est bel et bien le pasteur Baruti. Mnayekuwa naye mbele yenu ni mchungaji Baruti. Mungu awabariki sana. Kolo Nzambe apambula biro mi. Minaona. Namoni. Minaona. Namoni. J'avais entendu. Nilikuwa nikisikia. Maintenant j'ai vu. Sasa naona. Jésus a gagné. Yesu ndio ameshinda. Amen. Jésus champion. Yesu ndio mshindi mkubwa. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu bariki. Le pasteur Ben Bilombe. Mchungaji Ben Bilombe. Félicitations. Félicitations. Hongera. Hongera. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu mbariki. Bethel Tabernacle. Maskani Bethel. Félicitations. Hongera kwenu. Je vois. Naona. Oh là là. Oh là là. Minaona. Namoni na miso. Je pouvais pas m'imaginer ça. Sikiweza kuwazia hii. Non. Hapana. Ça me dépasse. Inanipitia. Des milliers de gens. Maelfu ya watu. J'ai dit bien des milliers. Nasa maelfu. A Bunia. Bunia, maelfu ya watu. Que Dieu soit loué. Bwana Mungu ashukuriwe.
Quand on avait commencé, Frère Mukuna m'avait dit, on ne sera pas nombreux. Parce que bientôt, ça sera l'enlèvement. Je lui avais dit non. On sera nombreux. Si Dieu t'a appelé toi, pourquoi tu ne veux pas qu'il appelle quelqu'un d'autre? J'ai gagné. Il y a encore d'autres qui vont venir. Et ce bâtiment sera tout petit. Amen. Ça sera rempli, rempli, rempli de peuple de Dieu. Vous m'avez tellement bien reçu. Amen. Je ne mérite pas cela. Mon cœur est rempli de joie. Jésus aussi est content. Amen. Amen. Jésus est content. Il va vous bénir. Atawa bariki. Amen. 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 Je viens d'en parler à Kinshasa. Natoa kuzumzia watu wa Kinshasa. Une femme m'a parlé cette semaine. Mwanamke aliniambia juma hii. Me dit pasteur Baruti. Sasa mchungaji Baruti. J'ai un témoignage. Niko na ushuhuda. Je n'avais pas d'enfant. C'est ou quoi na watoto? Et je faisais tout pour t'atteindre, c'était impossible. Nilikuwa nafanya yote nikutane hata na wewe, haikuwa nawezekana. Il a même pointé le diacre. Alishota ta shemashi. Le diacre ici. Shemashi huyu. M'a empêché. Alinizuiza huyu shemashi, alinizuiza. Il dit, tu sais ce que j'avais fait, pasteur. Asema ngale sa mchungaji. J'ai pris mon panne. Na mata kikwembe yangu. Je savais que tu passerais par là pour entrer dans la, mili yua utapi, dans la juridiction. Utapita pale ungeenda na kusanyiko. Et j'étais reçu. Nalikupokea. Dans une de nos juridictions, nos foyers de prière. Moja ya mafasi trombaka. Et c'était elle qui était devant. Elle met son panne. Je passe. Napita. Elle court encore là-bas. Elle étale encore là-bas. Je marche dessus. Napita, elle court encore. Elle met le panne. Elle dit. Anasema. Le même moi. Ile mwezi. Mimba. 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 Zemi. Amen. Amen. Moi, je ne savais rien. Mimi sikuwa najua kitu. Amen. C'est sa propre foi. Imani yake mwenyewe. Amen. Alors, l'interdire même de mettre le pain. Sasa kukataza pia na kutia kikwembe. Alors, les pierres vont commencer à éclater de joie. Sasa ba mawe tanja kufurahi kupasuka na furaha. Mawe, maibo. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ni ile Yesu aliyosema. Ce que Dieu a élevé, il a élevé. Mwenye Mungu anainua cha inua. Amen. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ilikuwa naponya wagonjwa. Et les habits qui avaient touché Paul guérissaient les malades. Na mavazi yaliyoguza Paulo ilikuwa naponya wagonjwa. Moi, je ne suis rien du tout, je ne mérite pas ça. Je vous remercie de la manière dont vous m'avez reçu. Je vous dis de tout mon cœur, merci beaucoup. Amen. Pasteur,
Merci. Asante. Asante sana. Merci mingi. Alors, je voudrais commencer par les bénédictions. Ningipenda nianje na baraka. Amen. Amen. La prédication viendra. Maubiri takuya. Je voudrais quand même prononcer un mot de bénédiction. Nitamu kata misema baraka mbele. Pomote manange kita. Niviro yangu vile kwa ishuke. Itulizane. Je ne vais pas attendre. Pour vous bénir. Je veux que notre Dieu vous bénisse. La pende bwana Mungu wangu nibariki ndio mbio pale. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. Dieu notre Père céleste. Mungu baba yetu juu mbinguni. Un jour tu étais à Jérusalem. Siku moja ulikuwa Yerusalem. Et tu étais tellement bien reçu. Na ulipokelewa vizuri sana. Oh Dieu, tu étais content. Eh Mungu ulifurahi. Et moi un homme. Na mimi mutu. Était reçu comme toi. Kupokewa kama wewe. Je suis plus content que toi. Na furahi sana kushinda wewe. Tu as dit celui qui vous reçoit le reçoit. Ulisema aliyekupokea ananipokea mimi. Et tu as dit celui qui reçoit un juste. Na ulisema anapokea mwenye haki. En qualité de juste. Kwa hali ya mwenye haki. Recevant une récompense de juste. Atapokea malipo ya mwenye haki. Que ce frère. Acha ndugu hawa. Reçoive de toi Seigneur. Wapokee toi kwako wewe Bwana. Tout ce que tu peux donner. Yote unaweza kuleta. À des personnes que tu aimes Seigneur. Kwa watu wenye unapenda eh Bwana. Ils ont sorti beaucoup d'argent pour construire. Wametosha pesa nyingi kwa kujenga. Rempli encore leur sac. Ujaze tena mifuko yao mara nyingine. Rempli encore. Ujaze tena. Mifuko yao. Accorde. Ulete. À chacun d'eux de bénédictions matérielles. Kila mmoja wao pato. Baraka za upato. De bénédictions financières. Baraka za pesa. De bénédictions matérielles. Baraka za upato. Parce qu'ils t'ont donné, Seigneur. Kwani wamekupa eh Bwana. Et bénis-les aussi spirituellement. Wabariki pia kiroho. Je voudrais que le Saint-Esprit balaye cette salle. La penda rota divi fagei tumba. Depuis la chair jusqu'à là dehors. Tangia sakafu mpaka kule nje. Jusqu'à la plateforme. Mpaka hapa mimbarani. Que le Saint-Esprit. Acha rota divu. Puisse mouvoir. Uweze utembea. Que le vent impétueux. Amen. Upepo kafula. Puisse descendre. Uweze uchuka. Comme ce jour-là. Sawa ile siku. À la chambre haute. Katika chumba cha juu. Saint-Esprit descend. Rota divu shuka. Saint-Esprit descend. Rota divu shuka. Saint-Esprit descend. Rota divu shuka. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Sur chaque personne ici qui a besoin de toi, qui soit rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu rempli d'amour. Tu es un Dieu que nous élèverons tous les jours à cause de la mort de Golgotha. Quel amour, Seigneur, ça dépasse tout entendement. Le Dieu créateur, pardonne nos péchés. Toi, Jésus, enlève les larmes de nos yeux et remplis-nous de ta présence. Nous l'avons ainsi demandé, Dieu, au nom de Jésus. Fais tout ce que tu peux faire, Seigneur, de bien pour nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vois que le Saint-Esprit est déjà là. Non, on a déjà quoi parler. Amen. Je peux le voir. Non, on a il est déjà là. Yeko parler. Amen. Il est en train de se mouvoir. Tu vas tembea. Quand vous êtes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Na mwana mashimama tutafungua Biblia zetu.
Dans Jean chapitre 7. Katika Yohana sura 17. Le verset 11. Shairi ya 11. Je ne suis plus dans le monde. Nami si tena katika dunia. Et ils sont dans le monde. Lakini hawa ni katika dunia. Et je vais à toi. Na ninakuja kwako. Père Saint. Baba mtakatifu. Garde-les en ton nom. Walinde kwa jina lako. Que tu m'as donné. Ulionipa. Afin qu'ils soient un. Ili wawe moja. Comme nous. Kama sisi. Nous sommes un. Tunakuwa moja. Verset 20. Makumi mbili. Jean 17, 20. Yohana 17, 12. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Wala si kwa ajili yao peke ndio naomba. Mais encore pour ceux qui croiront en moi. Lakini kwa wale watu wataniamini mimi. Même à Bunia. Hata kubunia. Je ne prie pas seulement pour les apôtres. Siombe tu wanafunzi peke yake au mitume peke yake. Je prie pour tous ceux qui croiront en moi. Naombea wale watu watakaoniamini mimi. Amen. Amen. Par leurs paroles. Kupitia maneno yao. Afin que tous soient un. Ili wote wawe moja. Comme toi, Père, tu es en moi. Kama wewe baba unavyokuwa ndani mwangu. Et comme je suis en toi. Na mimi ndani yako. Afin que eux aussi soient un. Wawe moja vile vile. En nous. Ndani mwetu. Pour que le monde croit. Ili dunia yamini que tu m'as envoyé. Ya kwamba ulinituma. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné. Niliwapatia utukufu ulionipa. Amen. Afin qu'ils soient un. Ili wawe moja. Comme nous sommes un. Gizi tunavyokuwa moja. Moi en eux. Mimi ndani yao. Et toi en moi. Na wewe ndani yangu. Afin qu'ils soient parfaitement un. Ili wakamilike katika umoja. Et le monde connaisse. Na dunia ijue. Que tu m'as envoyé. Ya kama ulinituma. Et que. Na. Tu les as aimés. Uliwapenda. Comme tu m'as aimé. Kama ulivyonipenda. Ah Jésus. Quelle prière. On began. Dieu notre Père céleste. Baba Mungu tayeju mbinguni. Le matin nous étions à Kinshasa. Asubuhi tulikuwa Kinshasa. Tu nous as protégés dans les avions. Wale tulinda katika maavion. Les frères et sœurs nous attendaient. Wanduna wale walikuwa natungoja. Ici à Bunia. Hapa kubunia. Nous sommes arrivés. Tumefika. Tu nous as protégés Seigneur des crashs. Umetulinda e Bwana kuingia avion. Oh Jésus. Oh Yesu. Certainement. Hakika. Tu as un travail à faire. Una kazi ya kufanya. Amen. Pardonne mes faiblesses Seigneur. Same uzaifu wangu e Bwana. Utilise-moi encore aujourd'hui. Utilise tena leo. Écoute ma voix à travers le sang que tu as versé à Golgotha. Na damu yangu pitia damu leo mwaka Golgotha. Et parle à ton peuple. Taifa lako e Yesu. Encore une fois Seigneur. Tena mara nyingine e Bwana. Aide-nous. Tusaidie. À te servir. Et bénis chaque personne qui écoutera. Na bariki la moja mtasikia. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Na tusikie nyenye kusikia na kusahau. Et que tu puisses mettre en pratique ce que nous écoutons. Aki tuweze kutimiza tunayoyasikia. Nous avons ainsi prié Seigneur. Tunaomba hivyo eh Bwana. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Je voudrais prier et prêcher sur l'unité. Nilipenda nihubiri juu ya umoja. L'unité. Umoja. L'unité est nécessaire. Umoja ni ya faida. Amen. Amina. Les Français disent. Wafaransa wanasema. L'union. Muungano. Fait la force. Inafanya inaleta nguvu. Et les Américains disent. Wa Marekani wanasema. Quand nous sommes unis. Tunapoungana. Nous sommes forts. Hapo tunakuwa na nguvu.
Quand nous sommes unis, unapoungana, nous sommes vainqueurs. Hapo tunakuwa washindi. L'unité. Umoja. Est très important. Ni ya faida sana. L'unité est nécessaire. Umoja ni ya faida. Pour les chrétiens, pour que nous puissions avancer. Ili tuweze kusonga mbele. C'est le travail du diable de nous séparer. Ni kazi ya shetani kututenganisha. Le travail de Dieu, c'est de nous unir. Kazi ya Mungu ni kutuunganisha. Je suis venu faire le travail de Dieu. Nimekuja faire kazi ya Mungu. J'ai déclaré cette année, nilisema mwaka huu, année de l'unité. Mwaka wa umoja. Année de Mwakawa l'unité. Umoja. Amen. 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 Quand il n'y a pas d'unité, kama kuna umoja, il y a des problèmes. Kusema magumu iko. Il y a pas de, ici vous avez l'expérience. Hapa mko na zoezi. N'est-ce pas parce haiko vile mchungaji. Il faut l'unité. Yafa umoja. Qu'est-ce que c'est que l'unité? Sasa umoja ko nini? C'est être uni avec. Ne kuunganishwa na. Ça c'est ce que Frère Branham dit. Ni ile ndugu Branham anasema. Dans l'unité paragraphe 12 il dit. Katika umoja fungu 12 anasema. Le mot unité signifie être uni, être un avec. Musema umoja ni kukua moja na. Et Frère Branham dit c'est un sujet. Inakuwa lengo important ya faida ndugu Branham asema. Et il mérite na inastahili beaucoup plus d'attention. Angalisho zaidi. Et il dit maintenant nasema sasa c'est l'enseignement de la doctrine. Ni mafundisho, mafundisho ya doctrine ndio. C'est le paragraphe 12. Ni kifungu 12. Il appelle ça un enseignement important. Anaita yao mafundisho ya faida. Il appelle ça la doctrine. Anaita mafundisho. L'unité. Umoja. C'est quoi l'unité? Ni nini umoja? Être uni avec quelqu'un. Kuungana na mtu fulani. Par exemple dans le mariage. Kwa mfano katika ndoa. Par exemple dans un pays. Kwa mfano katika nchi. Je reviendrai à ça. Nitarudilia yao. Être uni avec quelqu'un. Kuungana na mtu mmoja. C'est avoir les mêmes objectifs. Kukuwa na shabaha moja. C'est regarder dans la même direction. Ni kuangalia tu upande moja. Avoir la même vision. Kuwa na maono sawa sawa. Quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Kwa Mungu. Amen. Et avoir le même langage. Na kuwa na misemo sawa sawa. Amen. Amen. Quand un homme dit watu mtu anasema une chose kitu moja et la femme dit na mwanamke anasema une autre chose kitu ingine mais ils sont pas dans l'unité pala habiko ndani ya umoja. Quand le pasteur dit watu mchungaji anasema une chose kitu moja certains frères dit na wandugu fulani wanasema une chose contraire kitu ingine tofauti ils sont pas dans l'unité habiko ndani ya umoja. Ça va créer des problèmes à l'église. Yataleta magumu katika kanisa. Dans le mariage, ça crée un problème. Ndani ya ndoa yanaleta magumu ndani ya nyumba. Est-ce que c'est la vérité? Je ni kweli. Nous devons parler le même langage. Tunapaswa sema misemo sawa sawa. Parler la même chose. Kusema sawa sawa. Avoir la même vision. Kuwa na maono sawa sawa. C'est ça l'unité. Ni ile ndio umoja. Le contraire de l'unité. Tofauti na umoja. C'est la désunion. Ni kutokuungana. Ne pas avoir le même langage. Utokuwa na msemo sawa sawa. Ne pas être uni avec quelqu'un. Utokuungana na mtu fulani. Vous savez? Mwajua. Il y a un frère qui était venu embrasser le frère Branham. Kuna ndugu alikuja kumbatia ndugu Branham. Il dit. Asema. Frère Branham, je t'aime. Ndugu Branham nakupenda. La voix parle à frère Branham. Sauti inaambia ndugu Branham. Il a menti. Anasema bongo. Il ne t'aime pas. Hakupendake. Si je te dis ce que lui raconte contre toi quand tu n'es pas là aux gens. Kama nakuambia anasemaka juu yako wakati wao huko pale na watu. Alors tu verras qu'il a menti. Utaona usema alisema bongo tu. Le contraire c'est ça, être hypocrite vis-à-vis de quelqu'un. Tofauti ndio ile kuwa mnafiki mbele ya mtu.
Ce n'est pas bien qu'un chrétien soit hypocrite. Là, il n'y a pas d'unité. Parce qu'il critique la personne. Et il vient, il la salue. Il embrasse, je t'aime. Non. Amen. Le contexte, c'est quand vous n'avez pas le même langage. Vous êtes désunis. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est simple. Ma prédication est très simple. Allons dans la Bible dans Genèse 11. Nimrod avait amené les gens alipeleka watu tout autour de lui kando yake dans l'unité katika umoja et na il leur a donné awapatia a eu tout son objectif wote wakakubali ile shaba yake et tous étaient d'accord na wote walisikilizana il devait réussir aliweza. Quand tous wakati wote sont d'accord waisha kubaliana autour d'un homme kando kando ya mtu pour être dans l'unité ili wende na umoja pour exécuter kwa kutimiza un projet mpango fulani Dieu dit ils vont réussir Mungu anasema watu ile bataweza batafaulu. Je vais lire ça. Nitaisoma. C'est simple. Iko rahisi. Je commence au verset 5. Naanza kwa sheria 5. Genèse 11, 5. Mwanzo sura 11 sheria 5. L'Éternel descendit pour voir la ville. Bwana akashuka aone ile mji. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Na munara wana wa watu walikuwa najenga. Ah. Ils s'étaient concertés. Walikubaliana. Autour de Nimrod. Kando kando ya Nimrodi. Pour exécuter son projet. Ili watimize mpango yake. Son plan. Mpango yake. C'est faire une tour qui ira jusqu'au ciel. Ni kujenga munara inayopanda mpaka mbinguni. Et l'Éternel est descendu pour voir ça. Na Bwana alishuka yaone. Et qu'est-ce qu'il a vu? Aliona nini? L'Éternel dit. Bwana kasema. Voici. Tazama. Il forme. Wanaunda. Un seul peuple. Taifa moja. Qu'est-ce que ça signifie? Maana ke nini? Mais ils sont unis. Banaungana. Ils sont un seul. Wanakuwa peuple. Taifa moja. Oui Dieu, qu'est-ce que tu nous enseignes ici? Mungu unatufundisha pale nini? Et na? Ont tous une même langue. Wanasema lugha hii moja. Cela signifie. Je usema. Tous. Wote. Avaient le même. Walikuwa na. Langage. Nisema moja. Alléluia. Amen. Oh. C'est là. Hiyo. Ce qu'ils ont entrepris. Et yo walisha anja hii. Donc ils ont commencé le travail. Walisha anja kazi. Avec deux choses. Na vitu viwili. Autour d'un homme. Kando kando wa mtu moja. Un seul homme. Mtu moja. Autour d'un seul projet. Ina mpango moja. Et trois. Na tatu. Ils avaient le même langage. Balikuwa na msemo moja, lugha moja. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit? Sasa Bwana akasema nini? Maintenant. Sasa. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Hakuna kitu tawazuia kutimiza yenye balisha panga. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Ile ndio somo yetu ya leo. Amen. Quand nous sommes unis. Wakati tunaungana. Autour de notre pasteur. Kando kando wa mchungaji wetu. Pour bâtir cette église. Kwa kujenga kanisa hii. Ayons le même objectif. Tuna shaba hii moja. Le même projet. Mpango moja. Un seul peuple. Taifa moja. Rien ne pourra. Hakuna kitu kitasimamisha. Kutuzuiza. De réussir notre projet. Uweza mpango wetu, kutimiza mpango wetu. Hakuna kitu. Si vous avez compris, dites amen. Amen. Walio famu asema amina. Et Dieu est descendu. Na Mungu alishuka. Il a cherché. Anatafuta. Il ne s'est pas retrouvé dans leur projet. Akuweza kunipata ndani mpango wao. Akupatikana ndani ya mpango wao. Nous devons placer Jésus à la première place. Tunapasha tia Mungu Yesu pahali pa kwanza.
Amen. On doit placer qui à la première place? Jésus. 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 À la première place. Passez à Kwanza. Amen. Alors votre projet réussira. Quand il ne s'est pas retrouvé, il n'a pas vu le nom de l'Éternel là-dedans. Il a vu que la gloire revenait à Nimrod. Il a dit descendons. Confondons-le. Langage. Pourquoi? Pour que ça ne réussisse pas, il doit confondre leur langage. L'unité fait que vous puissiez réussir. Mais quand vous n'avez plus le même langage, c'est terminé. Vous n'avez plus la même vision. Il dit, Asema. Amenez-moi le seau. Laissez couler le changa, begeti. Lui monte. Yana panda. Avec la pelle. Ana panda qui n'a pas. Ah, dit. Et toi, tu ne comprends plus rien. Wow, femme, t'as qui tu nini? J'avais dit, amène-moi le seau. Ne laissez mon épelleke mbegeti katini. Mais moi, je pensais que tu avais dit ça. Mais les que j'amène la pelle. Ne laisse un jour le pao. Et finalement. Na kwa mwisho. Celui-ci parlait Kikongo. Oui, on a sima Kikongo. L'autre Swahili. Mwingi na sima Swahili. Et l'autre là-bas Chiluba. Mwingi na sima Chiluba. Et là-bas encore. Na Lingala. Lingala. Ils se sont na dispersés. Bana kabulana bana sambalana. Mes frères. Ndugu zangu. Je veux vous retourner dans l'unité. Na penda kurudi katika umoja. Amen. Les chrétiens devraient être unis. Amen. Autour de notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Quel est le nom de notre Dieu? Jésus. 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 Jésus Christ. Je vous donne 11 sur 10. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Jésus. Nous prêchons Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Nous élevons Jésus. Nous attendons Jésus. Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais Jésus sera toujours là. Jésus attendra quoi parler. Celui qui avait créé le ciel et la terre. C'est lui qui est votre époux. On n'a pas deux époux. Notre époux, c'est Jésus-Christ. Amen. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Celui qui a compris, qu'il puisse dire gloire à Dieu. Amen. 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 L'unité umoja de l'église ya kanisa c'est voulu par Dieu lui-même. Il pendwa na Mungu yeye mwenyewe. Mais le diable vient pour diviser. Agine shetani anakuja kukabula. Amen. Amen. Que j'avance un peu. Niendele mbele kidogo. Alors la prière de Jésus. Twende katika maombi ya Yesu. Est-ce qu'il n'a pas exagéré? Moi, j'ai trouvé qu'il avait un peu exagéré. Sur l'unité. Unité. Umoja. Unité. Umoja. Unité. Umoja. Unité. Umoja. J'ai dit, oh. Ah. Lui aussi. Yeah, ville. Écoutons un peu sa prière. Tout ce qui est mon bien kidogo. Donc, il devait partir. Alipasha kwenda. Mais il doit demander des bénédictions. Inomba ombe baraka kwanza. Amen. Sur le peuple qui croit en lui. Dia taifa na muaminia yeye. Et qui croiront en lui. Na watakao muaminia yeye. Amen. Sur les apôtres. Dia ba mitume. Et sur Najulia, les gens de Bunia. Watu wa Bunia. Amen.
Et sur tous ceux qui vont croire en Jésus dans le monde entier. Il dit, Asema. Dans peu de temps, Muda mdogo, serait plus dans le monde. Sitakuwa tena duniani. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Oh, watabakia katika dunia. C'est le verset 11. Nishera kumi na moja. Qu'est-ce qu'il demande? Anaomba nini? Père Saint. Baba mtakatifu. Garde-les en ton nom, wai, que tu m'as donné. Walinde katika jina lako ulionipa. Afin qu'ils soient. Ili wawe. Un. Moja. Amen. Écoutez un peu le souhait de notre Dieu. Il dit au Père, garde-les en ton nom le nom que tu m'as donné. Afin qu'il soit il un. Moja. Frère, Dugu, écoutez-moi très bien. Sana. J'ai quelque chose à dire. Nina kitu kusema. Il dit au verset 20, kwa makumi mbili, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Et Dieu le Père peut lui dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'ils soient tous un. Comme toi Père, tu es en moi. Comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Moi en eux, moi ndani mwetu. Moi en eux, mimi ndani mwao. Et toi en moi, wao ndani mwangu. Afin qu'ils soient parfaitement un. Ili wakue moja katika ukamilifu. Amen. Afin que le monde sache que tu les as aimés. Ili dunia ijue kusema uliwapenda. Quand nous sommes divisés, les gens se moquent de nous. Je vous dis la vérité. Mais quand nous sommes unis, le diable tremble. Le diable recule. Amen. Même le diable va parler en bien de vous. Comment ça? Ils sont unis comme ça. Ils sont forts. Donc le souhait de Dieu, de Jésus-Christ, c'est l'unité de l'Église. Vous êtes avec moi? Cette unité se fait toujours autour d'un homme. Vous êtes avec moi? Quand il a envoyé Noé, l'unité était autour de Noé. Amen. Le monde entier était mort. Mais Dieu voulait ceux qui considéraient Noé. Et il les a sauvés des autres. Dieu ne voyait que ces gens-là. Qui étaient dans l'arche avec Noé. Vous me comprenez. Amen. Quand il a envoyé Moïse, Moussa, l'unité était autour de qui? De Moïse. Ya Moussa. Amen. Même quand il y avait la guerre, même quand Moïse était vieux, il ne savait même pas lever ses mains. Il ne savait plus lever ses mains. L'unité c'est autour de cet homme-là. Soutenez ses mains. Vous gagnerez la guerre. Vita. Amen. Parce que je suis avec lui. Amen. Amen. Quand il a envoyé Josué, il a dit, je suis avec Josué. Comme j'étais avec Moïse. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Quand il envoie un prophète, celui qui croit en lui, Dieu est avec cette personne-là. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Il a envoyé Esaïe. L'unité c'était autour d'Esaïe. Ils l'ont décapité. Mais tout ce que Esaïe avait dit c'était accompli.
Quand il a envoyé Jésus, alipotuma Yesu, l'unité était autour de qui? Umoja wa nanda nani? Ya Yesu. Ils l'ont rejeté. Wali mukata. Ils l'ont crucifié. Wali musulubisha. Et Dieu a sauvé. Na Mungu aliokoa. Les 120 qui étaient avec Jésus. En leur envoyant le Saint-Esprit. Le cachet du ciel. Dieu vous agrée. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait l'unité autour de Jésus. Parce qu'ils ont cru au message de Jésus. Et Dieu a mis un cachet. En leur envoyant le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, ils dansaient à la chambre haute. Ils étaient d'un même cœur. Ils étaient unis. Ils avaient le même sentiment. Ils avaient la même pensée. Ils avaient le même cœur. Ils avaient le même objectif. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et Dieu envoyait le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, n'aime pas hapendi que son église kanisa lake soit désunie. Likabulane. Je vais vous lire ça. Nitawasomea yao. Il dit ceci. Anasema hivi. Au paragraphe 17. Ifuko 17. Jésus a prié. Yesu aliomba. Dans Jean 17:11. Katika Yohana 17:11. Pour que l'église et lui soient un. Ili kanisa na yeye wawe moja. Comme lui et le Père étaient un. Namuna yeye na baba alikuwa moja. Pour que l'église. Ili kanisa. Nous. Sisi. En tant que membre du corps mystique du Seigneur Jésus. Kama wana member wa mwili wa siri wa Bwana Yesu Kristo. Ensemble nous soyons so, un. Sote pamoja tuwe moja. Amen. 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 Vous croyez que Jésus va exécuter cette prière? Atatimiza le maombi. Amen. Comme lui et le Père sont un. Na muna yeye na baba biko moja. Vous êtes avec moi? Moko pamoja nami. C'est la prière de Jésus. Est-ce que Dieu va l'exécuter? Ni maombi ya Yesu. Je, Mungu atatimiza? Vous croyez que Dieu va l'exécuter? Moi je crois que Dieu va l'exécuter. Oui. Dio. Amen. Oui. Dio. Quand Dieu envoie un messager, l'unité autour de ce messager. Et au temps de la fin, Dieu a envoyé le prophète William Marion Branham. Notre unité, Mungano wetu, c'est autour du prophète William Branham. Autour de, du message du temps de la fin. Kando kando ya ujumbe wakati wa mwisho. Frère, Dugu, ce qui nous unit ayena tuunganisha est plus fort. Inakuwa na nguvu zaidi. Qu'est-ce qui nous unit? Nini natuunganisha? C'est le message. Ujumbe. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. C'est le message. Ujumbe. Vous? Nini? Vous dites moi je crois au prophète. So, mina, mina, moi? Mimi? Je dis je crois au prophète. Mina, mina, mais pourquoi nous séparer? Bon, kwani tutatengana sasa? Pourquoi nous critiquer? Kwani tutasengenyana sasa? Ce qui nous unit est plus fort. Inaotuunganisha ni nguvu zaidi. Ce qui nous unit est plus fort. Inaotuunganisha ni nguvu zaidi. Ce qui nous unit est plus fort. Amen. Ce qui nous unit est plus fort. Amen. Inaotuunganisha ni nguvu zaidi. Qu'est-ce qui nous unit? Vous pouvez dire Jésus. C'est bien. Nous croyons en Jésus. Mais au temps de la fin, beaucoup de gens aussi croient en Jésus. Amen. Mais nous avons une particularité. Mais nous avons une péché. Amen. Notre Jésus s'est mêlé dans le message du temps de la fin. Yesu wetu anachanganyika ndani ya ujumbe wakati wa mwisho.
Le message du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans la forme de la parole. Ariandeno. Nous ne voulons pas rejeter les autres. Il parle de Jésus aussi. Nous les aimons. Mais pour nous, c'est particulier. Jésus est venu nous visiter à travers ce messager-là. Amen. Amen. Dieu a envoyé un prophète. Nous devons être autour de ce prophète. Les branamistes devaient s'aimer. Ils devaient être unis. Amen. Ils devaient marcher dans la même direction. Oh Jésus. Oh Jésus. Je commence à devenir prédicateur. On devait avoir le même langage. Mais les fausses doctrines sont entrées. C'est l'œuvre du diable pour nous séparer. Mais Dieu nous a envoyés. Avec trois clés. La première clé, Dieu m'a dit, tu es un prédicateur de la parole. Tu prêcheras l'évangile. C'est la première clé qu'il m'a donnée. La deuxième clé, il arrivera quand tu prêcheras. Les malades seront guéris. Je ne dormais pas. Il me parlait, je l'écoutais. Et la troisième clé, quand les fausses doctrines viendront dans ce message, tu prieras le Seigneur. Je te donnerai la force de bouter cela dehors. Amen. 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 Frère. Dougou. Les premiers chrétiens. Wa Christ wa kwanza. Ils avaient l'unité autour de nos pères apostoliques. Wa kwana umoja katokato wa baba zetu wa mitume. Vous croyez cela? Munaamini hiyo? Je vais vous lire ça. Nitawasomea yao. Comment? Namuna gani? 1 Jean 4. Yohana ya kwanza sura 4. Je commence à 4. Naanza kwa mlango wa 4. Puis les fausses doctrines aussi étaient venues. Juma fujo mbaya vile likuyaka. Celui-là que Paul avait livré au diable. Ule mwenye Paul atoa kwa mikono ya shetani. C'était encore qui? Ilikuwa tena nani? Imene. Imene. Et Alexandre? Na Alexandre. Il disait que la résurrection a déjà eu lieu. C'est la même chose aujourd'hui. Oh, nous sommes déjà enlevés. Oh, nous sommes enlevés. Il me dit oui. Mais moi je suis encore ici. Je le salue. Frère. Dougou. Tu es enlevé. Il me dit oui. J'ai dit frère. Mais moi. Est-ce que je suis enlevé? Il me dit je ne sais pas. Mais c'est de la folie. Quelqu'un qui est enlevé et qui est là. Il est visible. Il est macho. Quand les fausses doctrines viennent. Dans ce message, tu prieras le Seigneur. Je te donnerai la force de bouter cela dehors. Je dis ah. En 1975, on vient justement de rencontrer Mukuna. On vient juste de raconter Mukuna. Comment les fausses doctrines vont entrer dans le message? Ah, j'ai dit ça à tout le monde. Je
Je savais que quand Dieu dit quelque chose, ça arrivait. Je crois qu'ici, vous connaissez les fausses doctrines. Hein? Nous sommes déjà enlevés. Jésus est déjà venu. Oh, yes, déjà Alors, pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Nous devions prendre la Sainte Seine jusqu'à ce que je vienne. Amen. Mais on continue à prendre la Sainte Seine. Oh, Jésus est déjà venu. Oh, yes, c'est ça. Oh, frère Branham est notre Dieu. Oh, nous prenons le Nous connaissons le nom de notre Dieu. Amen. Comment il s'appelle? Alors, Jésus. Yes. Alors. Amen. Allez tromper d'autres personnes, mais nous connaissons notre Dieu. C'est Jésus. Yes. Branham est son serviteur. Branham comme mutumishi wake. Un puissant prophète. Nabi mwenye uwezo. Que Dieu a envoyé au temps de la fin. Mwenye Mungu anatuma wakati ya mwisho. Amen. Pour nous ramener. Atkurudisha. À la foi de nos pères apostoliques. Wa imani ya baba zetu wa mitume. Au temps des apôtres. Wakati ya mitume. Il y avait l'unité autour des. Kulikuwa na umoja katikati ya wa mitume. Ça devait être la même chose aujourd'hui. Il passe à quoi ça va, ça va, Léo. 1 Jean 4. Johanna Kwanja Sura Ine. 4. Chéri à Ine. Vous petits enfants. Nyenye watoto wa dogo. Vous êtes des dieux. Munakuwa wa Mungu. Vous êtes des dieux. Vous êtes des. Munakuwa wa Mungu. Batu ya Nzambe. Batu ya Mungu. Ah. Eh. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Ah oui. Vous avez vaincu ceux qui sont dans les fausses doctrines. Parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Nous allons à 6 maintenant. Wa sita sasa, chéri à sita. Nous, sisi. Nous sommes de Dieu. Tunakuwa wa Mungu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Anayejua Mungu anatusikia. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Asiyekuwa wa Mungu hata tusikia. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de la fausse doctrine. Amen. L'esprit de l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est la fausse doctrine. C'est la fausse doctrine. Donc, ceux qui étaient de Dieu devraient écouter et dire nous, les apôtres. Donc l'unité était autour des apôtres. Même quand ils avaient un problème, ils allaient vers les apôtres. Et ils étaient unis. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Oh Jésus. Oh yes. Qu'on parle un peu. Ah oui. Ndio. Je dois parler. Na pacha sema. Quand nous avions commencé ce message, je vais parler d'un petit historique. On était 4. Frère Mukuna, Chibuya, Wakazadi. Il y avait 3 pasteurs. Pasteur Kanda Kazadi. Mchungaji Kanda Kazadi. Et Pasteur Mbombo. Na mchungaji Mbombo. Papa Mweli. Papa Mweli. Et Pasteur Baruti. Na mchungaji Baruti. Kasongo. Kasongo. Point. Nukta mwisho pale. Mukuna est mort. Mukuna amekufa. Kanda est mort. Kanda amekufa.
Mbombo est mort. Mbombo amekufa. Mais Baruti n'est pas encore Baruti mort. Baruti Amen. Aujourd'hui, Léo, on devrait avoir de l'unité autour des évêques. Yawaskofu. Amen. Amen. C'est simple, non? Iko raisi sivyo. Quand le frère Mukuna arrivait quelque part, wati ndumbo alikuwa anafika fasi fulani. Tous qui étaient dans le message. Wote walikuwa ndani ya ujumbe. Mais ils étaient avec lui. Walikuwa pamoja na yeye. On ne connaissait pas les divisions. Hakukua na mambo kabulana. Qui a vécu ce moment-là? Levez la main. Nani alikuwa kwa ile wakati ainue mkono wake? Eh, mnaona? Quand Mukuna arrivait. Wati Mukuna anafika, Mukuna anafika. Mukuna arrive. Mukuna nafika. Il n'y avait aucune personne. Akwata na mutu moya. Qui était contre lui. Moya alikuwa anampinga yeye. C'est comme ça que nous avions. Ni hivyo tulikuwa. Commencé. Tulianjaka, hivyo tulianjaka. Quand on arrivait quelque part. Tulipofika basi fulani. On nous recevait. Tulipasha kuwa. Comme on nous recevait comme des anciens, des évêques. Walikuwa natupokea sa wazee, waskofu, wazee. Partout. Popote. Et le diable est venu. Na shetani amekuja. Il a changé le langage. Anabadilisha misemo. Ha. Nous sommes ceci. Oh, si tuko hivi. Nous sommes cela. Oh, si tuko hivi. Cela a enlevé quoi? Ikatosha nini? L'unité. Umoja. Vous êtes quoi? Muko nini? Oh, nous sommes non révélés. Oh, si tu es non révélé. C'est bien. Boy, comme zuri. Qu'est-ce qui n'est pas révélé? Nini joa ifunuliwe. Oh, le sept tonnerres. Oh, ngurumo saba. Oh. Aha. C'est pas révélé? A ifunuliwe. Frère Branham m'a dit. Dubra malesema. L'épouse n'a pas encore eu quoi? Bibi arusi ya pata nini? Le réveil. Wamsho. Le réveil de l'épouse se trouve où? Wamsho, bibi arusi na kuwa wapi? Dans les sept tonnerres. Aujourd'hui, je suis dans le réveil. Léo ni kondana wamsho. Bounia est dans le réveil. Bounia kondana wamsho. Ce qu'on a entendu les sept tonnerres. Josa tu mesikia ngurumo saba. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On ne peut pas effacer ça. Auto za kuzima ile. Je crois que c'est le troisième saut. Naone kumuru wa tatu. Que j'avance un peu. Amen, 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 amen. Je suis une preuve vivante. Que Dieu m'a envoyé. Amen. Amen. Quand Dieu avait envoyé Noé. Mungu alipotuma Noa. Où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? En Noé. Ndani ya Noa. Quand il avait envoyé Moïse. Alipotuma Musa. Où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? En Moïse. Ndani ya Musa. Quand il a envoyé Jésus, alipotuma Yesu, où était Dieu? Alikuwa wapi? En Jésus. Ndani ya Yesu. Quand il a envoyé les apôtres, alipotuma wa mitume, où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? Dans les apôtres. Ndani ya wa mitume. Quand il a envoyé Branham, alipotuma Branham, où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? Dans Branham. Ndani ya Branham. Dans Jean 20-21. Katika Yohana makumi mbili makumi na moja. Il dit ceci. Anasema hivi. Jean 20. Yohana makumi mbili. 21. Sheri ya makumi na moja. Jésus leur dit de nouveau. Yesu akawaambia tena mara nyingine. La paix soit avec vous. Salama iwe pamoja nanyi. Comme le Père m'a envoyé. Jinsi Baba alinituma. Moi aussi je vous envoie. Mimi pia na watuma. Après ces paroles. Kisha ile msemo. Il souffla sur eux. Akapuliza juu yao.
et leur dit na kuambia, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, Frère Branham va l'expliquer. Ça, ça double la nama taïeleza. Il dit ceci. Asema Ivi. Est-ce que vous croyez au prophète? J'ai mon ami Nabi. Maintenant, ça, ça. Paragraphe 160. Et fungo mia makumi sita. Maintenant, Père, je te prie, je prie afin qu'il soit un. Ça, ça va banaomba naomba ili wakuwe moja. Tout comme toi, moi et moi en eux. La ça ndani mwangu na mimi ndani mwao. Nous sommes un. Tuko moja. Comme mon père m'a envoyé. Prêcher l'évangile. Je vous envoie. Et le père. Na baba. Celui-là même. Yule yule. Qui a envoyé le fils. Est venu. Dans le fils. Amekuja ndani ya mwana. Amen. L'unité. Umoja. C'est d'être un. Ni kuwa moja. Et il a dit. Anasema. Si je ne fais pas les œuvres de mon père, alors ne me croyez pas. Kama sifai matendo ya baba yangu basi msiniamini. Alors il ne m'a pas envoyé. Sema kunituma. Mais si les œuvres que je fais parlent aussi fort. Kama matendo nao fanya na zumuza nguvu zaidi. Si vous ne croyez pas. Kama muamini. C'est que vous êtes tout à fait sourd. Sema mko tu viziwi. Bubu. Et aveugle. Na vipofu. Amen. Amen. Ce Dieu là. Yule Mungu qui nous a envoyé aliyetutuma est avec nous. Yuko pamoja nasi. Et il a dit na asema, les œuvres que je fais matendo leo fanya, vous le ferez aussi. Mutaifanya pia. Au paragraphe 178. Maintenant regardez. Sasa angalieni. Mais lorsque Dieu rassemblera une église. Wakati mwata usanya kanisa moja. Avec son esprit. Na roho yake. Ils auront les signes. Watakuwa na alama. Les signes du Dieu vivant. Alama ya Mungu aliye hai. Parmi eux. Katikati yao. Quelle sorte de signes? Ni alama aina gani? Amen. Amen. Les aveugles vont voir. Vipofu wataona. Les boiteux vont marcher. Viwete watatembea. Les sourds mieux vont entendre. Viziwi bubu watasikia na kuzumuza. Paragraphe 183. Kifungu 183. Un ministère viendra. Utuma moja takuja. Exactement du même genre descendant. Na ile hali tashuka. En plein là-dessus appelant ses enfants. Ikiita watoto wake. À sortir de toutes les dénominations. Watoke katika mazebu zote. Ce ministère c'est le ministère de Frère Branham. Ile utuma ni utuma ya ndugu Branham. Nous croyons cela. Tunayaaminia. Et quand l'unité revient à l'église. Na watu moja urudia kanisani. Le message de Frère Branham a la puissance à l'intérieur. Sema ujumbe ya ndugu Branham na uwezo ndani yake. Aïe. Il dit ceci. Asema hivi. Nous sommes à la fin. Tuko kwa mwisho. C'est le paragraphe 211. Kifungo 211. Il n'y a plus de temps. Hakuna tena wakati. Bientôt Jésus va revenir. Karibuni Yesu atarudia. Dieu doit amener son église à l'unité. Mungu anapenda kanisa katika umoja.
Et la puissance de Dieu doit rentrer dans son église. C'est le diable qui doit échouer. Cette parole n'échouera pas. Nous sommes au temps de la fin. C'est fini. Jésus va bientôt revenir. L'unité. Êtes-vous un avec Dieu? Il va falloir que vous soyez un. C'est Frère Branham qui parle. Comment vous allez devenir un avec Dieu? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est Jean 14. Ni Yohana 14. Verset 25. Je vais vous lire ça. Et yao. Verset 23. Tatu. Si quelqu'un m'aime. Kama mtu ananipenda. Il fera quoi? Atafa nini? Il gardera mes commandements. Atachunga amri zangu. Une femme qui aime son mari. Mwanamke anapenda bwana yake. Il aime le mariage. Anapenda ndoa. Elle fera quoi? Atafanya nini? Mais va garder les lois de son mari. Atachunga sheria ya bwana yake. Et Jésus dit, mais si quelqu'un m'aime. Anipenda. Il y a ainsi. Si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, tu ne l'aimes pas. Il ne peut pas venir en toi. Tu n'auras pas la puissance. Tu ne seras pas dans l'enlèvement. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et moi, et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est quoi? C'est le mariage entre toi et le Saint-Esprit. Et tu sais vraiment que c'est Dieu qui me conduit. Tu sais comment il te conduit, comment il te parle, comment il dirige ta vie. Il peut te dire, calme-toi, ne parle pas, va à tel endroit. Il peut te montrer des choses. Toi et Dieu, vous devenez un. Où se trouve Dieu? Dans sa parole. Toi, tu prends Dieu. Tu le mets dans ton cœur. Donc, Dieu est dans ton cœur. Amen. Si Dieu est dans ton cœur. Maintenant, nous allons dans 15. Si vous demeurez à moi, 15:7. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Oh, ben yote unapenda. Et cela vous sera na accordé. Yatapewa kwenu. Amen. Amen. Ma leçon est très simple. Soma langu ku raisi. Vous devez premièrement aimer Kwanza Dieu. Nikupenda Mungu. Vous prenez sa parole. Unamata neno lake. Vous mettez dans votre cœur. Parce que vous l'aimez. Kwani unampenda. Pas seulement dans le cœur. Mais vous obéissez à la parole. Neno. Alors quand vous obéissez à la Kwanza parole. Neno. Alors. Vale. Demandez ce que vous voulez. Oh, unapenda. Amen. Et cela vous sera accordé. Pourquoi? Kwanini? Parce que vous remplissez les conditions. Parce que vous êtes un homme Dieu. Mutu Mungu. Parce que Dieu est en vous. Mungu ndani mwako. Amen. Dieu est puissant. Mungu mwenye uwezo. Amen. Écoutez le prophète. Msikie nabi. Restez, paragraphe 88. Il dit, restez avec la parole. Sa bakieni na neno. Voilà. Idio. Restez avec la parole. Parce que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous demeurez à moi,
C'est le prophète qui parle. Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Seulement, si vous demeurez en moi. Seulement, si mes paroles demeurent en vous. Est-ce que la leçon est comprise? Amen. Alors vous demandez la parole que vous avez reçue, ce message est une puissance. Amen. Vous croyez cela? Et ça va se manifester. Paragraphe 214. La grande unité de Dieu, c'est ceci. Je veux que vous puissiez répéter ça. En français. La grande unité de Dieu, c'est ceci. La grande unité de Dieu, c'est ceci. Votre esprit s'accorde avec cette parole. Votre esprit s'accorde avec cette parole. Et non. La manifeste. N'ayazir. Et fait que cette parole. Fait que cette parole devienne une puissance. Devienne puissante. Pour agir comme elle a fait là-bas. Pour agir comme elle a fait là-bas. Amen. C'est vous. Amen. C'est à vous. Yuriako. Amen. C'est à vous. Yuriako. Amen. Alors frère Banam dit. Ah oui, c'est frère Banam qui avait dit disons-le ensemble. Ah pas mais pas. Je n'avais même pas lu ça. Ah, ce que ça m'a laissé ma ville. Donc ce que j'ai dit là, c'est exactement ce que Banam a dit. Il a fait répéter. Il a fait répéter. 216. Vous y êtes. C'est ça l'unité avec Dieu. Il est Mungu. Lorsque cette puissance œuvre en moi, moi Barut ici, œuvre en vous, vous ma soeur, vous mon frère, et nous sommes un. Amen. Frère Branham, nous avons compris la doctrine. Nous sommes dans l'unité. Ici à Bounia, Dieu doit se manifester en puissance. Amen. Oh Jésus. Oh Yesu. Tu es simplement merveilleux. Est-ce que Jésus est merveilleux? Ah oh, oui. Ah Dieu. Oui, il est merveilleux. Anakuwa maalum. Fais-moi dire maintenant. Dubras ma sasa. Parole de sa 41. Il faut combien de ma commune maintenant. Sasa. Vous qui avez suffisamment de force pour manipuler, pour manier la, cette épée. Est-ce que vous avez la force de manier le père? À présent que vous comprenez. Vous comprenez assez. La parole de Dieu. Pour la déclarer. La déclarer votre propriété. Votre propriété personnelle. Amen. Amen. Pour moi, la parole de Dieu m'appartient à moi. Dieu aussi, le message m'appartient. Le message m'appartient. Le message m'appartient. Amen. Amen. Dis c'est ma propriété. Le message c'est ma propriété. Il dit si vous croyez ça. Paragraphe 242. Si vous croyez à ça de tout votre cœur. Alors sincèrement.
de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vous demande de vous lever et de l'accepter. Amen. Êtes-vous sérieux? Il dit, êtes-vous sincère? La parole est elle dans vos mains. Est-ce que vos mains ont suffisamment la foi? Alors levez votre main naturelle vers Dieu. Ça c'est Frère Branham qui dit. Hein? Maintenant répétez. Ça rudilia, regelea. Dites. C'est moi. Oh mon Dieu. Par ceci. Par ma main levée. J'engage ma vie entière. Je promets mon âme. Ma pensée. Je promets tout à toute la parole de Dieu. Laisse à présent le Saint-Esprit prendre ma foi et me donner la chose. Découpe tous les doutes. Éloigne les de moi. Puis par la foi, je reçois la promesse que j'ai demandée. Vous croyez à cela? Vous n'avez pas mis à? Amen. 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 Je voudrais terminer toutes les prières de Frère Branham. Il est plein de malice de mon billet et d'un Branham. Paragraphe 239. Mais un billet m'a commis tant qu'on a dit ça. Eh Seigneur Dieu. Eh Bwana Mungu. Répétez. Je viens aujourd'hui au nom de Jésus. Je viens en maniant cette épée de la foi, réclamant l'unité de Dieu et de l'homme par le Saint-Esprit, par les miséricordes, par les sacrifices de Jésus. Que ce soit à lier quelqu'un dans ce bâtiment, qu'il s'agisse d'un garçon, d'une fille, d'un homme ou d'une femme, je défie toute maladie. Je défie le doute. Les doutes. Quitte cet auditoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de cet auditoire. Que nous puissions être un. Que nous puissions être un. Et que nous puissions servir Dieu. Et nous puissions servir Dieu. Sans avoir la maladie. Sans avoir la maladie. Ou la crainte. Ah, ou la crainte. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. Puisse nous unir. Puisse nous unir. Pour que nous puissions être un. Pour que nous puissions être un. Avec Dieu. Avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme son sauveur personnel? Venez ici devant. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est ton jour aujourd'hui.
Celui qui veut le recevoir comme son sauveur. Et recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Venez ici devant. Encore pour le recevoir. Nani mwengi na penda kupokea. Qui encore entendu la voix de Dieu. Nani mwengi na sikia sauti ya Mungu. Venez ici devant. Kuja huku mbele. Celui qui veut recevoir Jésus aujourd'hui et recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Viens ici devant. Venez ici devant, s'il vous plaît. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Tu sais que tout ce qui a été prêché est la vérité. On a dû avoir yote et au pire du quelli. Nani mwengine anapenda kumpokea Kristo leo? Qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Anapenda toa maisha yake kwa Yesu leo. Dieu t'appelle aujourd'hui. Mungu anakuita leo. Laisse le monde. Achana na ulimwengu. Viens à Jésus. Kuja kwa Yesu. Le bateau va fermer son bateau. Karibuni na bakia kidogo. Bateau itafunga mulango yake. Nous partons au ciel. Kwa kurenda binguni. Bientôt Jésus reviendra. Karibuni Yesu atarudia. Uzonga.
et nous partirons au ciel. Na tutenda mbinguni. Le temps du péché est terminé. Wakati asabi mamalizika. Le temps de la sorcellerie est terminé. Wakati ulozi mamalizika. Aujourd'hui, c'est le temps de Jésus-Christ. Leo wakati ya Yesu Kristo. Le temps de la magie est terminé. Wakati ya uchawi imeisha. C'est le temps de Jésus. Ni wakati wa Yesu. Venez à Jésus. Ukuje kwa Yesu. Venez à Jésus. Ukuje kwa Yesu. Venez à Jésus. Ukuje kwa Yesu. Merci. Asante. Yesu asila kiko kufelayo akamata ki mikumba na yonyoso. Commencez à prier. Anje ni komba. Parlez à Jésus, dis-lui pourquoi vous êtes là. Anje zungumza na Yesu mwambie kwa nini uko pale. Demandez à Jésus de vous pardonner. Ombe Yesu akusamehe. Jali koluka apatena Yesu pabunga. Venez ici devant. Ukuje huku mbele. Dieu t'a parlé, ma soeur. Mungu amekuzungumzia dada. Dieu t'a parlé, mon frère. Mungu amekuzungumzia ndugu. N'aie pas honte de Jésus. Usipate haya ya Yesu. Viens ici devant et donne ta vie. Kuja huku mbele toa maisha yako. Qui encore? Nani mwengine? Okota nakata lopango yopate yopate koyoka sonite Yesu azali na yo mawa yaka ako. Vous allez répéter ma ma prière pour vous. Je suis vraiment content. Je vois ici presque 60. 70. 70 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et encore deux jeunes filles qui viennent. Hein? 75 maintenant, il y a deux qui se sont ajoutés. Acclamez très fort le Seigneur. Oh les enfants. Oh watoto. Moi aussi j'avais cru, j'étais très jeune. Et je faisais la messe, j'étais servant. Ne rejetez pas les petits enfants. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, c'est Dieu qui les a poussés. Vous allez répéter en swahili. Je crois que tout le monde parle swahili ici. Okay. Baba, Mungu wetu uliye juu mbinguni, murudilie. Nimesikia neno lako na kuja na mwana niko
je donne ma vie au Seigneur Jésus. Nana to maishan kwa Bwana Yesu. Parce qu'il était mort à la croix pour moi. Kwa sababu alikufa msalabani kwa ajili yangu. Je refuse le péché. Inakatala zambi. Je refuse le diable. Napenda nikimbie shetani. Donne-moi la force. Nipatie nguvu. Je veux te suivre. Napenda nikufuate. Je viens tel que je suis. Nakuja namna niko. Change-moi. Nibadirishe. Donne-moi le Saint-Esprit. Nipatie Roho Takatifu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Je crois. Naamini. Que je suis sauvé. Ya kwamba naokolewa. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Je suis sauvé. Naokolewa. Amen. Amen. Acclamez très très fort. Changie nguvu zaidi. Je vais prier pour vous. Dieu notre Père céleste, ils sont à toi. Je les place dans tes mains. Je suis sûr. Quand je te demanderai le jour de l'enlèvement, tu ne perdras aucun. Tu es très fort. Tu as commencé ce travail aujourd'hui. Amène chacun d'eux à la perfection. Tu es Dieu. Change chacun d'eux. Remplis-le du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamez encore une fois. Ok. Le pasteur dit aujourd'hui même. Le baptistère est dehors, on va vous baptiser. Ne donnez pas l'occasion au diable. Il faut les baptiser directement. Acclamez Jésus. Le pasteur va faire un service maintenant de prier pour les malades. Parce que babo mutungaji atafanya ibada nyingine sasa kuombea wagonjwa. Il est nécessité. Na wenye uko na mahitaji. Ayez foi en Dieu. Mwe na imani kwa Mungu.
Dieu avait dit à Frère Branham, si tu t'aimes, les gens te croient, même le cancer, ne tiendra pas debout. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous croyez que le révérend Baruch est l'homme de Dieu, il n'a pas besoin de te toucher. Là où tu es, assis, la main du Seigneur est longue pour te toucher. Ayez foi en Dieu. Vous avez écouté ce témoignage? Mais si ushuda, une personne dont le doigt était coupé. Il a prié. Anamombea, et le doigt a poussé. Je vous avais parlé ici. D'un enfant qui était né. Sans sexe. Et le pasteur Baruch a prié. Et la fin, c'était le lendemain, il a reçu un sexe. Une fille. Anakuwa musika. Anakuwa lugumbashi. C'est une fille vraiment de 20 ans. Anakuwa musika rumeka kumbeli sasa. Elle est à l'université. Anasoma université sasa. Ok. Je ne vous ai pas menti, vous avez écouté vous. Si vous avez aimé, vous m'avez dit que vous avez aimé. Ou Gemena. Quand il tenait la campagne, une femme est morte. Ça s'appelait Batunasu. Elle est Batunasu. Batunasu. Le pasteur a crié Batunasu. Reviens. Rudia. Et la femme est morte. Elle est ressuscitée. Anna Fufuka. Dieu est réel. Quand Dieu a envoyé Noé, il était dans Noé. Quand Dieu a envoyé Paul, il était dans Paul. Quand il a envoyé Pierre, il était dans Pierre. Quand il a envoyé Branham, il était dans Branham. Quand il a envoyé Baruti, il est dans Baruti. Quand il va nous envoyer, il est en nous également. Pasteur, merci. J'appelle ceux qui sont malades. Naita watu wanakuwa wagonjwa. Oh là là. Venez ici devant. Mukuje huku mbele wagonjwa. Si ici les places sont occupées. Kama hapa nafasi inakuwa kidogo. Partout vous êtes, le Seigneur Jésus peut vous toucher. Bali pote buko Bwana Yesu anaweza bagusa. Tambe mutwa esa kamoto monene na mikumisate Tambazali kapane apolongola mongola Oboliye na kitie Azali kapane ya kozuwa mozui Pe ya kitisi na seo Yango na tuta tolote Yango na sala fielete Na loboko na eyangu ya Yango nyose koki Ae ae na makasi na ngaite Na ngu ya na ngaite Na moli mona yonzambe Yango nyose koki Na makasi na ngaite Soki nga nazali ko umela lelo Ezali mawana yoye Nikolo nangai Nakuni siyo Aye na makasi nangaite Makasih
kobeta tembe na baoyo bayambi Yesu embala baoyo bayambi Yesu kotungisa mezali te o amakasi te Seigneur Jésus, voilà Yesu. M'avait parlé pour faire ce travail. Et je suis ici devant vous. Pour vous dire que c'est lui qui m'avait parlé. Fébana m'a dit. Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Même pas le cancer. Je parle ici aux frères qui croyaient à moi. Je sais que vous croyez en Jésus aussi. Mais Jésus travaille à travers des hommes. Je suis rien. Mais je pense que je suis un de ses petits serviteurs. Touchez la partie malade de votre corps. Et vous verrez la gloire de Dieu. Touchez la partie qui vous fait mal. Mettez votre main dessus. Et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus, c'est le grand médecin. Jésus, c'est le docteur des docteurs. Jésus, connais ta maladie. Il m'a envoyé pour que cette maladie s'arrête. Il m'a envoyé pour que la tête de ce Goliath tombe. Il m'a envoyé ici pour que tu sois guéri. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Il croit que je leur ai prêché la vérité. Je t'invoque, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. À descendre ici. Descends, Seigneur. Descends mieux de nous. Descends, Seigneur. Chuka e Bwana. Sans toi, je ne peux rien faire. Bila wewe sitafanya chochote. Tu connais. Unajua. Qui tu vas guérir aujourd'hui? Nani utaponya leo? Tu connais qui tu as envoyé aujourd'hui pour être guéri. Touche chacun d'eux, Seigneur.
Commence l'opération sans cicatrice. Enlève le myome. Enlève le fibrome. Enlève le cancer. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Toi le Dieu de Branham. Jésus Christ. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Démon de la magie. Démon de la magie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sors de leur corps. Toque dans la milliard. Et va dans les lieux arides. Démon qui veut sacrifier les gens. Démon qui veut sacrifier les gens. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sors de ces gens. Toque dans la voiture. Et va dans les lieux arides. Mort subite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Toque dans la voiture. Et va dans les lieux arides. Mauvais sort. La nambaya. Venant des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Je brise votre force. Sur ces gens. Quitte leur corps. Et rentre à la personne qui vous a envoyé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toutes les forces de fétiche. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur vie. Que tout fétiche qui a été fait sur eux sorte de leur vie. Que tous les mauvais esprits qui étaient sur eux à cause de ces fétiches sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de possession de la famille. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Ils appartiennent à la famille de Jésus. Je brise tous les liens avec la famille, tous les liens coutumiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise cela sur eux. Sortez de leur vie. Femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Le mariage de nuit. Marie de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Je brise toutes les maladies. Le mariage de nuit. Je brise ce mariage au nom de Jésus. Demande de la sorcellerie. 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 Sortez d'ici. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de sirène. Démon de sirène. Oh, Mamiwata. Mamiwata. Prostitution. Ukaapa. Esprit de divorce. Pepe kutali ki kwa tana. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Sortez de leur corps. Toke dans la miliao. Allez dans les lieux arides. Mwende nyikani. Démon de freinage. Démon ya kufunga funga. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Christ. Sortez de leur corps. Toke dans la miliao. Allez dans les lieux arides. Mwende nyikani. Démon de blocage. Démon ya ku au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Demande des mensonges et d'hypocrisie. Au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Demande des masques de vieillesse. Masque de vieillesse. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de folie. Démon de mazimu. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Et va dans les lieux arides. La folie.
Sors de leur vie. Va dans les Nazarites. Démon de mots de tête. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Allez dans les Nazarites. Démon de asthme. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Allez dans les Nazarites. Démon de cécité. Démon de upofu. Mots des yeux. Macho kuluma. Vision floue. Glaucome. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Que leurs yeux puissent voir. Que leurs yeux puissent voir clairement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est la paix. À Bounia. Qu'il n'y ait plus de guerre. À Bounia. Nous chassons les démons de la guerre. Sortez de Bounia. Allez dans les lieux arides. Démons sourds-muets. Démons boubou kiziwi. Au nom de Jésus-Christ, sortez, quittez leur corps, que les sourds puissent entendre, que les muets puissent parler, demandez la carie dentaire, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de la malaria et de la fièvre typhoïde. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de toutes les maladies des femmes. Typhoïde. Toutes les maladies des femmes. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez les lieux arides. Démon de fibrome. Myome. Kyste ovarien. Kyste. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Démon de la gastrite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon des étouffements. Et toutes les maladies cardiaques. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de l'hypotension. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démon de l'hypertension. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démon de cancer. Démon de cancer. Cancer de sein. Cancer de maziba. Cancer de rein. Cancer de barrein. Cancer de leur corps. Cancer de la miliao. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de gonflement de pieds. Démon de vibrer ma migoulou. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de paralysie. Démon de paralysie. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de insuffisance rénale. Démon de magonjo ya figo. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Que tous les reins soient guéris. Au nom de Jésus. Démon du sida. Démon du sida. HIV. HIV. Sida. Sida. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démon de syphilis. Démon de syphilis. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démon de la blénorragie. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démon de toutes les maladies sexuellement transmissible. Au nom de Jésus, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon des hémorroïdes, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de l'hernie discale. 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 Et toutes les maladies des dos. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides.
Démons de la hernie. Démons de la hernie. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Et va dans les lieux élevés. Seigneur. Buana. Opère. Tenda. Enlève l'hernie. Au nom de Jésus. Démons de toutes les maladies mystiques. Démons de toutes les maladies mystiques. Venant de sorciers. De magiciens. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Je brise tous les liens de famille. Je chasse toutes les malédictions qui se trouvent sur eux. Que les enfants de Dieu soient libérés. Que leurs âmes rentrent dans leur corps. Demande les boiteux. Que les boiteux marchent. Que les sourds entendent. Que les aveugles puissent voir. Je chasse toutes les maladies. Reculez. Sortez de ce corps. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les maladies que je n'ai pas citées ici. Sortez de leur corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Démon de la tuberculose. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Ombre de la mort. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Cancer. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Seigneur, Buana, ils sont là devant toi. Ils croient que je suis ton serviteur. Guéris chacun de toi, Seigneur. Ils croient en Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions avoir des témoignages. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Satan, recule. Sors de cette salle. Je les proclame tous guéris. Je les proclame tous guéris. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Bougez. Faites ce que vous êtes incapable de faire. Bougez. Faites ce que vous êtes incapable de faire. Bougez. Que les boiteux marchent. Touchez là où ça vous faisait mal. Touchez là où ça faisait mal. Et voyez ce que le Seigneur a fait pour vous. Et faites exactement la chose que vous étiez incapable de faire. Pour les aveugles, commencez à voir. Dites, Seigneur, je vois. Je vois. Au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, je vois. Au nom de Jésus, je vois. Au nom de Jésus, je suis guéri. Répétez mes paroles. Au nom de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Jésus m'a 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 guéri. Il est en train de travailler maintenant. Il est en train de guérir maintenant.
qui a senti sa guérison. Venez témoigner ici devant. Qui a senti sa guérison. Venez témoigner ici devant. Ça donnera la foi aux autres. Jésus est en train de travailler maintenant. Le Dieu de Branham est le véritable Dieu. Il est Dieu. Ala kwa Mungu. Il ne change pas. Habadirike. Que les aveugles commencent à voir. Vipofu anje kuona. Seigneur. Bwana. Ouvre les yeux des aveugles. Fungua macho ya vipofu. Ouvre les oreilles des sourds. Fungua masikio ya viziwi. Que les boiteux marchent. Viwete watembee. Qui peut témoigner la gloire de Dieu? Quel est votre nom? Dina Konani. Oui. Oui, mon nom c'est frère Jacques. Dina Langonetou Jacques. Oui. Ce que le Seigneur a fait pour moi de temps à temps. J'ai les maladies de cœur et ça, parfois ça me fait très mal beaucoup. Alors dès qu'on a prié pour moi, j'ai senti que c'est sorti. Donc tu avais la maladie dans ton cœur. Pardon? Quelle maladie? Maladie crise cardiaque. Le cœur. Et maintenant ça va. Très bien. Tu respires bien. Très bien. La maladie est sortie. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Namoningo na yo tambe. Yango nyoso ekoki. Qui encore? Nani wengine? Venez ici devant. Kuja huku mbele. Nanguya nangaite. La maman là, maman oui. Azaï côté le maté. A quoi la chimama? Pesa et micro. M'pâtie microphone. Maman yoté le makate. Osali. Osali 3 ans. Micro. Elle ne marchait pas. À quoi la tembea? Même pas se mettre debout. À quoi ta la chimama ku chimama? Et le Seigneur na bwana la guéri. Amen uponya. La makasi na ngaite. Nanguya na ngaite o.
namoni mona yo zambe yango nyonso koki uja judia nangu ya nanga iteo namoni mona yo zambe bisisie azalaki na kiste azalaki na makolet aotambola te azomona te azoyoka te nzambe abikisi ye alekawa ya kopesa témoignage na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki mwana oyo toto uju mwana na ngai nakutaki memaye boyeba mona mwana na ngai nayaki kota ye biloko esopanieli na nzoto mingi ntango paster azaki na maladi nini nayebaki te paster nakendeki vage nde nakutaki nzoto nyonso esopani biloko nyonso awa batache toshe sikoyo ntango obi bato ya malade baleka nayenga mwana na ngai nyonso wana esekei na makasi na ngai te na nguya na ngai leka opesa témoignage naye pa boye na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe kombo na yo nyonso ekoki kombo na nga sara nga nabiki na maladi ya ss obiki na maladi ya ss wi ntango naza kobondela oyoki ndenge nini nayoki na kati ya nzoto na nga makasi oyo nyonso ezalaki koswa ebimi acclame le seigneur jésus sagilie bwana yesu na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki kombo na yo nani kombo na nga ser foibe nazalaki na makolo kovimba panda la prédication nayoki kaka makolo na ngai ekiti mpenza nayoki vraimen sensation nabandi kosote esika navandaki makolo evimbaki evimbaki lelo ekiti ekiti esili acclame le seigneur jésus sangilie bwana yesu na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki oyo baza na témoignage baya kopesa témoignage benye biko na ushuhuda bakuje huku mbele balete ushuhuda yao na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki akoki kotambola te azalaki kotambola ata moke te azalaki kotambola te kombo na ye meda Shimao na tebawe mwenyewe
nangu ni frère Claude mina ombaka hapo ni Claude nani Claude Baki 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 nilikuwa na infection renal depuis 2008 kama na niluma ni kwazi wezi na wakati nifika hapa nilisikia mbavu ya droite inaanza tena kuuma wakati pastor anaita tukuye hapa mbele kwa kupokea maombi alisema nitiguse fasi kwa tuko na umu nikagusa na wakati nigusa wakati mimi natosha mkono wakati pastor anamaliza kombe ninasikia kitu mwai na kwasi natoka kumbavu yangu ndio maana mimi nashukuru Mungu Mungu abariki Azalaki na infection renale depuis 2008 mukomoza ko sua akomi ya pandezo sala pasi makasi tangwa bi pastor bito bonde la tiro boko wana tangwa longo yoro boko kilo komoko bimi kati na panze na ye pe totalement libéré pe guéri Nanguya nangaite o namolimo na yonzambe yangonyo seko susu mama kombola yo komba nangaita esperas nyamtev nzambe asale lioni Minaona mina kuyaka na rheumatisme mili kuya nao hata sasa mili kuya nao wakati banaomba natoka na njia ya belu belu Namba yulu kukicho natoka Nazaki na rheumatisme na yaki pe na ngwawa tangu babondeli rheumatisme bimi na nzea na moto ekei Akamelo Seigneur Jesus Mshangilie Bwana Yesu Nangu ya nangaite Namolimo na yonzambe yangonyose koki ae ae mama kasi nangaite nangu ya nangaite o namolimo na yonzambe yangonyose koki Nalomesha zambe po na zambe apiki singa na malata matoi. Sere oyo ayoka ka malamu te fo ganga po ayoka yo. Melelo yo boye yi matoi na nyose fungwa mi malamu polele. Kombo na yo. Zawadi. 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 Sali mbula boni. Na bise choke sali mbula pe boni. Mbule bele. Banda ki mwana nanka. Banda po mwana. Kasi nanga ite. Nangu ya nanga ite. Nangu yo kasi kore. Banda yo kasi kore. Nama kasi nanga ite. Nangu ya nangaite o namoni mona yo zambe nangu nyose koki wakati nilikuya hapa votre nom dina ser jane chen jane ngoi paste jane ngoi pastor alikuwa na ubiri mimi nasikia tumbo ilikuwa na uma sana mimi nasimama mimi napima kucheza na shindikana mimi naikala Wakati aliita ombea wagonjwa mimi nakuya hapa kukuya hapa nikaanza kulia nyuma yenyewe nikasikia kushalere katoka kumwili mwili wote kapata shalere nikakuwa wazi nikasikia salama kumwili mzima nimeshukuru Mungu nimeponeshwa Nazaraki alibumweza kosoa nga mwayete na miko yekumza nzambe te metabo pasera bondi libumu passe disparaître malamoko Namakasi nangaite Nanguya nangaite Namolimo na yonzambe Nangonyose koki Nilikuwa nikiteseka na mbavu kuluma na mwili moto na baridi ndani ya tumbu
wakati nilisikia mtumishi wa Mungu baruti hivyo nafika miko najitayarisha kusema nilamuke sikukua na pesa nasema kama mtumishi wa Mungu anafika nitafanya nguvu niguza ta veste yake nitapokea uponyaji wakati niko natayarisha kutoka kunyumba ninaona ninanguka chini bure hivi nina nini mbao inaniparuja baya inalumia bo nilifaa nguvu tu nifike wakati nilifika kwa aeroport ninafanya nguvu ni banie tu veste ya mchungaji mbavu ilikuwa aluma na ninakuya mbavu ilikuwa aluma nimesikia tena nimepona hata mwili ilikuwa aluma yote wa kuimani yangu na muna nilikuwa hadia kusema niguze veste ninaisha pona Mungu wangu asifiwe Zina Jina langu ni dada Ana. Ana nani? Wanangu. Dada Eli. Ana Eli. Sawa. De quelle maladie? Hey. Yangu yanangaite. Namoli mona yo zambe. Muli yangu yote ni kwa Mungu. Votre nom? Jina langu Ja. Jean, Jean, Jean Foster. Dina Konani. Jean Foster. Dina Konani. Jean Moutumich. Ok. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Mouliango yo, quelqu'un, Luma la Kini, Sasa ba, non, père, mais Anaïcha. Douleur. Et quoi que Luma Wap? Mwili muzima, mwili muzima. Nzoto na yemo bimbe ya kupasa la pasi pesika pasi nyose sili. Aclame le Seigneur Jésus. Shangilie Bwana Yesu. Namakasi nangaite. Nangu ya nangaite. Kamata. Ato vina. Vina nanu mama. Nangonyose koki. Aye aye. Namakasi nangaite Nanguya nangaite Namoni imona yonzambe Nyango nyose koki Namakasi nangaite Nanguya nangaite Kombo na yonani Kombo na ngasere ope Nabana yiko tumisa mana gazpiti Jina langu dada Ope. Ozaki na gastrite. Nazaki otungisa mana gastrite. Ngoma musito aba soi komela ezokomela nga kilo makasi. Ndetango to yakito koti ababengi biso to tele mali bozo na binza bengala lingina tato nayo. Bara moko nayo pia ekobi kimia na mokuwa na moko nayo kimia ndena bitu ko nezo okuwa na moko. Eh eh. Nazaki otungisa tina mokongo. Kolon betreba beza ko salo pa. Ndena zukimia na. Yesu abikisi yo. Nilikuwa nasikia estomeko na luma. Nilikuwa na luma ninatobola mpaka kumgongo huko. Saba nasema tupite hapa mbele, saa mtumishi wa Mungu anaanza kuomba, nasikia natoka ngambo ya mgongo huko na mimi napata salama, njoo napenda nishuhudie Mungu ananiponyesha. Aclame le Seigneur. Shangilie Bwana. Tokoyoka mama oyo boye. Mama Zina. Sasa ile njama na sikia. Iye alobi mimi sasa ile mimi na sikia. Do anaye koyoka te sikaba niko yoka. Mama, wewe unasikia? Eh mimi na sikia. Wewe sikia mzuri. Mimi nasema mimi na sikia ile. Wewe sikia tena. Unasema wewe unasikia? Eh ile mimi na sikia. Ah, alobi sikake ye ayoki. Jina kwa ni nani? Jina yangu ni Sofia. Na Mungu asikue. Kwenda shukuru Mungu anafungua masikio yako. Mama kwa nasikia. Nakumbuka anasikia mzee. Kwa sema je. Nisema tu kusikia. Alobi, alobi nika ke ya yoki. Ayoki.
Il souffrait de l'hernie. Et l'hernie est partie. Le docteur Jésus a fait l'opération sans cicatrice. Votre nom? Jina la konani. Les autres, vous allez témoigner demain. Wengine mutashuhudia kesho. Demain, quand vous allez rentrer à la maison, aujourd'hui, vous sentirez que la maladie est partie. Et demain, vous viendrez pour témoigner. Jina lako nani? Jina ngu Aro. Aro na nani? Aro Muhindo. Aro Muhindo. Nye mina shuhudia Mungu sana kwenye amenitendea. Na tondi nzambe mingi pono wea sali ngai. Tangia mina faa mariage ni mefaa ina ne dini. Bandina sali mariage za mbula moko na ndambo. Na wakati mina figa wakati ya kunichunguza wanasema uzaji yango kenzi kuhusa. Ya baata muna komi na bamunga ngabalubi e kuhusa za 15%. Sasa wakati nye mchungaji anaomba. Tango mbateri ya bondeli. Mtu mwana anagusa mimi na ananiambia mimi napona na mimi na imani mimi napona. Na yoki mtu mwako asimbi nga na nzoto. Abandiko hebi sangai obiki. Ben. Reza. Ulisikia nini? Na mwili yangu inasimama. Ben zoto na ngai tele mi. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Louez-le encore une fois. Amen. Qui peut louer le Seigneur? Qui peut l'applaudir? Qui peut l'applaudir? Qui peut l'applaudir encore une fois? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Bambongi